Salon, c'est une équipe très solide. Déjà depuis l'année dernière, ils ont gagné la Coupe de France. Ils ont gardé le même effectif, plus ou moins. Ils l'ont renforcé avec de l'année. Donc je pense que c'est une grosse équipe qu'on va vraiment prendre très au sérieux. Il faudra faire un match complet pour pouvoir espérer l'emporter. Bah, c'est vrai qu'on a pu valiser pendant une mi-temps, en première mi. Après on a explosé face à leur aspect physique, leur effectif complet et leur talent. Le point positif, je pense, c'est la première mi-temps où on a vu qu'on pouvait sur quelques séquences, comme tu dis, rivaliser. Je pense qu'on était conscient déjà avant ce match, quand on perd de peu à Oman ou à Cholet, qu'on avait le niveau pour faire quelque chose d'intéressant cette saison. Après, ce qu'il nous faut, c'est être constant sur 40 minutes et fournir les efforts, surtout en défense, sur le niveau du match. Offensivement, ça sera éviter les petites erreurs, les petites pertes de balles qu'on peut justement éviter, les petites pertes de balles un peu bêtes. Et c'est surtout en défense qu'il faudra qu'on soit prêt à livrer un combat pendant 30 minutes. Sur les 1 contre 1, il faudra qu'on soit bon sur le 1 contre 1, qu'on essaie d'imposer notre physique et d'être au combat et à la lutte pour le rebond. Au début de saison, on savait que ça serait une saison difficile. On savait qu'on n'allait pas jouer les premières places. Donc le classement n'est pas vraiment surprenant. On est à la lutte avec quelques équipes pour le maintien. Et l'important, ça serait déjà d'essayer de gagner les matchs face à nos concurrents directs pour le maintien. Et essayer de grappiller quelques matchs à droite à gauche chez des équipes mieux classées. Ce serait vraiment super.